Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous comptons matin pour l'opportunité que mon Dieu lui a accordé à nous-mêmes, lui permettre que nous capables disponible et disposé pour nous capables parler ensemble avec l'Église là et transmettre le message de la parole de Dieu. Moi saluer tout d'abord nouvelle relation fraternelle qui existait entre nous les pasteurs malgré distance qui séparait nous. Mais moi senti que nous vînes plus proches parce que depuis un certain temps mes collaborateurs pasteurs yo parlent les moins pasteurs encore donc ils m'appellent tous grand frère et ça fait moins grand plaisir pour me capable gagner trois petits frères ça yo m'a salué grande initiative qui a été prend accompagné de conseil qui a dirigé l'église là pour y honorer certaines personnalités pour leur contribution à l'épanouissement de cette église. Moi saluer matin la présence de frère Michelet Nelson qui était honoré le premier dimanche du mois de mai. Moi profiter de l'occasion ça pour me capable remercier nous chaque qui t'ai contribué d'une manière ou d'une autre pour nous être capable réaliser belle journée du 1er mai 2022 en l'honneur de frère Michelet qui c'est un rude travailleur pour l'église là et yo monde que nous pas capable passer non de lui. M'a profité tant ça pour capable dire merci à cette famille qui t'ai accepté recevoir dans jour ça et qui t'ai mangé ensemble avec lui. Moi connais et famille nan gen doit pas ta remet que me citer non yo mais pour la bonne cause permettre que moi capable faire ça remercier la famille Ledoué. Moi saluer matin la présence de ses serviteurs pasteur Décilu Jean-Baptiste et pasteur Jean-Robert Duversin, deux anciens piliers de l'église wesleyenne de Petit Goave. Pour moun qui pa gen trop temps l'église là, yo ka wè deux personnages an sa yo a passé devant l'église là ou bien vin l'église là, mais yo pa konnen ki apport que yo te pote pou fè de l'église wesleyenne sa liye jodi a. Comme moi habitué di li, à chaque fois ou croiser yon monde ou croiser yon viezo dans la rue eh bien te gon époque li te gagné cher souli. Voilà pourquoi matin service a qui fait en l'honneur de Dieu et pour honorer ces deux serviteurs eh bien li gagné pour nous-mêmes yon sens extraordinaire. Maintenant ces deux serviteurs y a desservi l'église wesleyenne de Trouchouchou et l'église wesleyenne de Croix-Hilaire. Donc deux serviteurs ça yo toujours mette yo à la disposition du travail de Dieu et yo toujours mette ça que yo gagnent pour le travail de Dieu. Donc l'église ça yo qui implanté par ses serviteurs c'est œuvre pa yo. M'pas quoi que c'est mission qui t'est dépensée pour acheter terre pour construire l'église là. Mais tout simplement, monsieur, yo, en tant que serviteur de Dieu, nous t'est disposé, mettez
à disposition de travail, bon Dieu, yo-même et ça que yo possédé. Ma profiter de ça pour capable honorer madame yo que bon Dieu mettez bon côté yo, parce que sans madame yo, si madame yo pas gagner même comportement avec yo, yo pas capable réaliser ça que yo réalisé. Pasteur Fonvert, Eltima et Demero, yo la matin, yo capable honorer ces deux vaillants guerriers, ces deux vaillants, ces deux serviteurs de Dieu en signe de reconnaissance pour tout ça, yo accompli dans l'œuvre ça. M'a demandé yon faveur à petit frère yo, pasteur Fonvert, pasteur Eltima et pasteur Maguin, pour yo ban moins chance ça pour me capable déclarer le mois de mai à partir de jodia, c'est mois de la reconnaissance. Donc que l'église a songé ça, le mois de mai, c'est le mois consacré à la reconnaissance des serviteurs du Seigneur qui mettaient yo au travail de Dieu. C'est un plaisir pour me capable associer moi à belle cérémonie ça pour me capable participer dans honneur que n'apprendre à bon Dieu et à ses serviteurs de Dieu. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu, le texte qui était choisi pour message parole bon Dieu matin, hein. N'a joigni dans Matthieu chapitre 26 et nous va lire du verset 6 jusqu'au verset 12. Déjà, m'a demandé à tout le monde qui est dans l'église d'ailleurs excuse pour ce que matin, hein. Comme nous remarquons, nous avons un service qui sorti de l'ordinaire. Donc, il n'est pas capable de terminer dans l'heure habituelle là, après quelques minutes de plus. Que bon Dieu capable bénir nous chaque cap tendé matin. Matthieu chapitre 26, sorti dans verset 6, rivé dans verset 12. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Parole du Seigneur. Frère Maxime Yo, n'entend que nous gagnons pour nous capables de prêcher ou la parole de Dieu matin, hein. Et pour nous capables honorer nos frères qui sont là, les pasteurs Décidus Jean-Baptiste et pasteur Jean-Robert Duverset, n'a traité avec au sujet ça. Soyez toujours reconnaissants. Gagné un dictateur. Gagné non ça, un dictateur haïtien. Et m'kwè nou tout konnen de qui est m'a parlé, c'est de François Duvalier. Pendant t'es vivant, pou t'es capable mette chita régime de terreur li envers tout moun ki t'es mené ni au pouvoir, li t'es fait déclaration ça. En matière politique, la reconnaissance est une lâcheté. Fin de citation. Matin, bon Dieu mandé nous pour nous reconnaissant.
D'abord pour nous reconnaissant envers lui-même et ensuite pour nous reconnaissant envers nos frères et sœurs. Nous besoin reconnaissant envers bon Dieu parce que lui-même n'est pas un rival, n'est pas un équivalent, n'est pas un substitut. Personne monde pas capable rendre l'Éternel grand à partir de façon que l'a adoré. Il pas capable rendre ni grand à partir de gens l'a vive, mais tout simplement l'Éternel li grand de par sa nature. Et raison qui fait que nous devons reconnaître à l'Éternel, tout d'abord, il c'est bon Dieu qui est immuable, éternel, non temporel. Il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et ça fait me songer illustration ça. Un professeur qui besoin faroucher un élève qui chrétien. Et pour le faroucher, lui poser une question pendant la classe là. Lui dit lui comme ou même ou toujours dit ou c'est un élève chrétien, est-ce qu'on a dit moi qui côté bon Dieu y est qu'on y est là? Et étudiant te rete le poko di rien, li t'a gardé intention professeur. Professeur a te comprendre, li te collé monsieur jusqu'à ce que monsieur prend la parole. Et li dit professeur, ou gen raison. Moi pas ka di ou ki côté bon Dieu lié qu'on y est là. Mais m'a posé une seule question. Est-ce qu'on ka di qui côté bon Dieu paye qu'on y est là? Ça fait me comprendre que bon Dieu lit tout partout. C'est le Dieu qui a tout créé à partir de rien. C'est le Dieu qui dirige les temps et les circonstances. Oui, Maxime, yo. Malgré situation que nous, ouais, pays, nous, a traversé. Nous, besoin qu'on est que bon Dieu, c'est lui-même qui met temps, yo. C'est lui-même qui met circonstances, yo. Même j'en l'étais chita sous trône ni dans le moment déluge là, eh bien, bon Dieu si chita sous trône ni, jodia. Il est le Dieu pourvoyeur. Et c'est à cause de ça qui fait que bon paquet moun kap répété, eh bien, bon Dieu li grand. Même l'œil yo manqué conviction. Yo te malade, bon Dieu guéri yo. Eh bien, yo dit bon Dieu grand. Yo t'a passé misère. Yo pas de bien côté pour yo rete. Bon Dieu permet que jodi a yo gen caille. Yo dit bon Dieu grand. Yo pas marié, yo pas de bien petite. Bon Dieu permet que yo marié yo gen petite, eh bien, yo répété bon Dieu grand. Yo répété bon Dieu grand pour en pile bagaille. Mais cependant, gen en pile action que yo commet qui allait en dans une façon qui dit que eh ben tout ça que yo t'a dit yo pas comprendre. Par exemple, pendant que yo a dit bon Dieu grand, y a bay menti Jean Ovlé. Pendant que yo a dit bon Dieu grand, yo dit ça Ovlé. Yo fait ça Ovlé. Yo vive Jean Ovlé. Y a les côtés Ovlé. Yo disqualifier moun que Ovlé. Léo dit comment yo moun nan. Par exemple, yo un jeune dame nan bien frais, hein, de très belle corpulence. Yo dit dame nan, ah, m'en trouvé ou frais, oui. Et le plus souvent, dame nan dit, eh ben, c'est grâce, bon Dieu. Et des fois, même le, moun sa pap vive nan Jean bon Dieu mande li. Li dit, c'est grâce, bon Dieu. Par exemple, même si moun nan a vive avec un monsieur qui pas maril, l'or ou elle nan situation sa li bien belle de visage, eh ben, l'homme mande le comment le fait belle pour ça lui dit où? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. Non seulement bon Dieu mande nous pour nous capables reconnaissant envers lui-même, mais il mande nous tout pour nous capables reconnaissant envers Sila, envers frère nous, particulièrement moun qui fait nous bien. M'a exhorté nos matins, frères et sœurs. Quel que soit ça, yo moun fait pour vous, ou besoin de gagner reconnaissance envers lui. Yo marque de reconnaissance,
li constitue yon sujet d'encouragement. Matin nap nou prouve reconnaissance nou envers ces deux serviteurs pour nous capables encourager dans le ministère. Fort souvent, nous est seulement sa moun nan pa fè. Nous est sa moun nan pa fè, mais nous pa fè. Alors, nous pas honorer li pour ça le fait. Nous besoin matin encourager ces serviteurs de Dieu. Moi t'ai oublié citer nos deux bien-aimés qui t'ai également encouragé, c'est frère Vallès, nous connaît frère Vallès comment depuis longtemps qu'a bail tout ça que lui connaît, tout ça que il gagnait comme serviteur de Dieu à l'église Wesleyenne de Petit Goua, particulièrement dans l'école du dimanche. Et le frère Bigor qui passait de présentation pour ça que lui fait dans l'église Wesleyenne de Petit Goua. Nous profiter pour nous capables dit deux mots ça yo. Alors dit deux mots à l'occasion de moment que n'a honoré de bien-aimé frère Sayo, frère Vallès, frère Bigor, oui, de bien-aimé Sayo, contribue largement pour être capable de faire de l'église wesleyenne de Petit Goave sa lié jodia. C'est peut-être ça, frère Maxime, yo. M'a invité nous matin à observer texte que nous te lié ensemble. Et dans le texte, ça, n'a besoin de trois vérités fondamentales. La première vérité, Jésus ne fait exception de personne. La deuxième vérité, Jésus désapprouve toute attitude formaliste. Et enfin, la troisième vérité, c'est que Jésus approuve tous ceux qui sont reconnaissants. D'abord, Jésus ne fait exception de personne. Verset 6 et verset 7. Qui que vous croyez, Jésus-Christ l'a tendu la main. Jésus n'a pas besoin de conseiller. N'oubliez pas les murmures des scribes et des pharisiens disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux, selon Luc chapitre 15, le verset 2. Analysons ensemble les versets 6 et 7 de Matthieu chapitre 26. Au moment où les autorités juives complotent la mort de Jésus-Christ, où les disciples font la démonstration de leur mesquinerie et Judas celle de sa perfidie, épisode de la vie de Jésus-Christ sur la terre, l'hypothèse pour Jésus-Christ, yon soulagement. Au verset 6 de Matthieu chapitre 26. Comme Jésus était à Béthanie. Le mot Béthanie ici signifie maison de l'affligé. Ça c'est signification moa Béthanie. Mais dans ce texte, Béthanie, c'est donc une petite ville sur le mont des Oliviers se trouvant à 3 km de Jérusalem, sur la route de Jéricho. C'était la ville de Lazare, de Marthe, et celle de Simon, le lépreux, pour qui il n'y ait pas de confusion avec Béthanie, endroit situé au-delà du Jourdain, côté Jean t'es qu'on réunit pour lui baptiser des gens. Jean chapitre 1, le verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie,
au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc, c'est de manière à ce que nous faisons différence entre Béthanie, ville Lazare, là, côté M. Damioté à vivre, et Béthanie, que, côté que Jésus te kon baptisé Mounio. La présence de Jésus de la maison de Simon le lépreux. Jésus pas doué trouver la maison ça. Côté yon lépreux tap vive. Et pour bien comprendre ça, nous obligés aller dans Luc chapitre 17. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14, pour nous capables de comprendre parole ça, Jésus pas doué côté yon moun qui gen lèpre tap vive. Simon le lépreux. Considération sociale des lépreux. Situation yo exige que yo séparé du reste de la population. Pour yo capable éviter toute contamination parce que les yon moun gen maladie ça, eh bien, ou c'est yon moun qui impur. Gardez qui ça la parole de Dieu lui dit sur la précaution à prendre avec toute personne atteinte de la lèpre. Ou ap capable li texte ça, un texte qui long. Nous pas cali tout pour vous, mais n'a pli seulement quatre grands versets la donné. C'est Lévitique chapitre 13, verset 1er et verset 2, verset 45 et verset 46. Vous capable comprendre pour qui ça moins dit Jésus-Christ pas doué là. Lévitique 13 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et cria impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Ça que m'daremé que vous soulignez, c'est resversia. Il dit, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Voilà pourquoi, dans le récit, Luc chapitre 17, là, texte l'a dit, les proyos, y auraient été à distance. Mais y'en a bagaille pour nous capable de remarquer dans Luc chapitre 17, bien que là-dedans yo te gagné 10 lépreux, te gagné là-dedans yo youn qui pat juif et 9 juifs. Mais yo tout te metté tête ensemble pour yo te crier bay bon Dieu et mandé Jésus pour capable porter au secours. Au verset 14, ça qui important c'est que Jésus te royo. Et là Jésus te royo, Jésus t'a parlé avec yo. Yo nan bagay, moi vle attirer attention nou sou li. Non, Jésus t'a parlé avec yo, c'est sur le pouvoir de la parole. Moi habitué dil et m'a toujours dil, ou même k'ap servi bon Dieu, ou pas dit tout ça ou vle avec bouche. Parce que ça ou dit avec bouche, l'a accompli quand même. Pourvu que ou ses serviteurs de Dieu. Jésus-Christ lui seulement parlé à ces 10 hommes. Hein? Lui dit yo, allez joindre sacrificateur. Donc c'est en respect à la loi, en respect à Lévitique chapitre 13. Et le verset 14e nous dit, pendant que ces deux bien-aimés, alors ces 10 lépreux, ils ont déplacé,
Là, nous, ouais, l'observation. Alors, nous observons que monsieur a seulement accepté. Tendez, ça, Jésus dit, yo, et il a accepté ça, Jésus dit, il a seulement viré pour y aller joindre sacrificateur. Et il a été joint guérison, c'est tout simplement parce que il a été obéi à la voix de Dieu. Parce que texte l'a dit, au même moment, yo prend décision pour yo aller joindre sacrificateur yo, eh bien, yo te joindre guérison. Eh bien, tout cela, c'est pour nous capable de faire nous comprendre que la présence de Jésus dans la maison de Simon le lépreux, eh bien, c'est pas un hasard. Mais tout simplement, bon Dieu te voulait faire tout le monde capable texte là comprendre que il pas fait exception de personne. D'ailleurs, dans le texte là, il y a pas jamais dit qui moun Simon ça y est. Il a seulement dit Simon le lépreux. C'est pour capable montrer que pas de gagner chance pour lui si c'est pas Jésus ça. Matin m'blé dit Jésus calvé de furio frère Maxime. C'est seulement mettez où et il est capable mettez où sous monde, c'est seulement mettez confiance dans lui. Pas décourager. Ou même société a rejeté, ou même qui paraît sans valeur jodia, non j'ai tout le monde. Seigneur dit me dit ou gain valeur pour lui. Seulement rete dans place ou pas déplacer. Dans le moment que bon Dieu a voyé corbeau a vini, même Jean te fait pour Élie, eh bien Élie te dans place que bon Dieu te mette là. Ou même qu'a servi bon Dieu, pas déplacé, rete dans place que bon Dieu mette ou là, eh bien, dans le moment qu'on pas ta supposé, bon Dieu l'a intervenu en faveur. Maintenant, on regarde le verset 7. La présence de Jésus a été honorée. Théologie spéculative. L'homme dit théologie spéculative, c'est tout simplement moi-même dans réflexion, moi qui fais moi comme ça. Yon soupe qui était probablement préparé en l'honneur de Jésus. Même Jean Jodia, nous tous nous réunis pour nous honorer nos frères. Nous te réunis yon dimanche pour nous honorer l'autre frère yo. Gen yon femme qui a honoré la présence de Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 7. Dans le verset 7, il est clairement écrit que, eh bien, l'Éternel, ou du moins Jésus-Christ, dans situation ça, il n'a pas même réalisé combien de gens qui t'a pas suivi, combien de gens qui t'a là pour honorer lui. Texte là dit tout simplement, une femme s'approcha pendant que Jésus était là. Femme n'a approché et femme n'a te gagné dans meni yon parfum. Et texte l'a dit, te gagné yon vase d'albâtre qui gagné la donne yon parfum de grand prix. Nous t'aimerions que nous soulignions matin yon parfum de grand prix. Tandis que Marc l'y dit, dans Marc 14, verset 3, et Jean 12, verset 3, lui parlait de yon parfum de nard pur de grand prix. D'ailleurs, que nous comprenons ça. D'abord, un parfum de grand prix, dans Matthieu, et Marc et Jean parlaient de un parfum de nard de grand prix. Ça fait me comprendre. Yon moun kap honoré bon Dieu, li besoin bay bon Dieu sa ki bon. Fom nan pas trouvé le coût élevé de sa sacrifice. Fom nan pas trouvé sa que le tap offri bay bon Dieu a été trop cher. Tant qu'on nous pral pi devant gros série de moun ki dit ou pas besoin faire tout bagay sa yo. Et ça fait m'vle attirer attention nou chaque ki la matin.
Vous comprenez que l'église wesleyenne de Petit Goave n'a pas gagné de grands moyens pour être capable d'honorer serviteur de la façon que vous êtes capable d'espérer. Mais ce qui est important, c'est le geste. Et moi, content de ce que vous avez pris l'initiative, ça, parce que fort souvent, vous avez les gens qui mourent pour vous camper du haut de la chair, pour vous dire combien vous êtes grand. Et dans le texte, là, nous prenons loin, eh bien, la parole de Dieu lui dit, femme, non, t'es agi comme ça, c'est parce que c'est bon Dieu qui t'a révélé pour t'a agi comme ça. Parce que, là où lit la parole de Dieu, ouais, femme, non, t'es agi comme ça, eh bien, c'est parce que l'homme Jésus t'est proche. Donc, l'important pour nous comprendre, frère Maxime, nous parlons de grands cadeaux que nous sommes capables d'offrir à serviteurs, yo. Mais cependant, geste que nous faisons, montrer combien nous apprécions, combien nous apprécions le travail que vous faites parmi nous et combien nous voulons encourager. Yo. Frère Maxime, yo, en toute occasion, bye Jésus, ça qui est bon. Bon Dieu, bye bon Dieu, y ont bonne adoration. M'aller plus loin pour me dire, l'aime parler de bonne adoration, pas oublier que nous jouons dans Genèse chapitre 4, verset 1 à 5, côté Caïn et Abel tap honoré bon Dieu. Fondé à honorer bon Dieu, yo bye bon Dieu, ça qui était précieux pour yo. Cela veut dire des choses qui t'est sorti à partir de travail, yo. Mais cependant, là, nous lire la parole, bon Dieu. Nous voyons que bon Dieu t'est accordé un regard favorable à Abel et à son offrande. Il t'est accordé un regard favorable à d'abord à Abel. Il t'est ouais que Abel. Comment Abel t'est bail offrande là? Mais il pas accordé un regard favorable à Caïn. C'est pas parce que offrande Dieu pas de même valeur, mais cependant c'est tout simplement y'a pas de bailli dans même optique, y'a pas de bail offrande là pour te faire bon Dieu plaisir. Mais cependant l'important pour comprendre quel que soit ça moins avec n'a fait pour bon Dieu, n'a bail pour bon Dieu, eh bien nous besoin faire lui bien. C'est louange n'a bail bon Dieu, bail il a tout que nous. C'est une offrande que nous avons à bon Dieu, bail avec cœur nous. C'est un service que nous avons fait pour bon Dieu, c'est un service pour le diriger, c'est un service que nous avons pour prier la donne, nous avons pour prêcher la donne. Fais-le avec tout cœur nous, frères et sœurs bien-aimés. Bon Dieu prend plaisir la donne. Eh bien, première idée que nous déjeunons dans le texte là, c'est que bon Dieu ne fait exception de personne. Simon le lépreux, li te besoin pour Jésus te bon côté dans occasion ça. Deuxième idée que n'a joine c'est que Jésus li désapprouvé toute attitude formaliste suivant Matthieu chapitre 26 verset 8 et 9. A remarquer bien-aimé que Jésus n'a pas été honoré par les siens. Au verset 8 de Matthieu chapitre 26, nous réalisons que gagne une jalousie dans mitan disciples. Et ces mêmes gens tout dans Marc, yo montré nous que disciples gagne jalousie dans mitan. Marc chapitre, alors, Matthieu chapitre 26, le verset 8. Les disciples voyant cela s'indignèrent. Ils ont fâché parce que c'est comme si m'a dit ou femme a gaspillé l'argent. Et disciples ont dit, à quoi bon cette perte? Maintenant, Jean,
yo présenté jalousie de Judas. Yo même qui t'a vivre avec Jésus dans une relation fraternelle apparente. L'offrande de la femme à son Seigneur est un gaspillage d'argent. Côté disciple dit, à quoi bon cette perte? Depuis dans Guinée, Negraïneg. Et des fois, les mouns a pas contribué pour le travail de Dieu. Il y a un pilote qui cap dit, lui prend pas, c'est lui qui pi bon chrétien parce que tout le monde. Dans toute occasion, il est toujours prêt pour le bail. Frères et sœurs bien-aimés, les nous rivés puis devant à comprendre pour qui ça, femme non, t'es choisi bail Jésus pas fait ça. T'es choisi bail Jésus pas fait ça parce que gain de bagay Jésus fait pour vous, ou pas capable rester indifférent à lui. Ou pral, si c'est bon Dieu a servi, si vous songez côté bon Dieu sorti avec vous, si vous songez qui ça bon Dieu fait pour vous, et bien gen deux comportements ou pas capable de gagner. Même si vous parlez, même si vous dit ça vous voulez, ou même job ou c'est servi bon Dieu et mettez ça que vous gagnez à la disposition du travail de Dieu. D'abord, au verset 9, on regarde l'attitude des commerçants. Verset 9. Commerçant dit, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. L'attitude des commerçants pour se procurer de l'argent. Marc et Jean précisent, ils ont dit qu'ils coupent parfum ça. Dans Marc chapitre 14, verset 5, ils ont dit parfum, il coûtait plus de 300 deniers. Ils ont dit, ils ont vendu parfum, et puis ils ont bail pauvre l'argent. Et dans ce sens, ça, ils ont irrité contre madame. Et dans Jean chapitre 12, verset 5, il a parlé de 300 deniers. Pas capable d'acheter un bagage qui coûte tout comme ça. Vous mettez une vente, nous baille pauvre. Mais t'as aimé que vous compreniez 300 deniers, li équivaut à une année de salaire de l'ouvrier agricole de l'époque. Donc, mon enfant, toute une année pour le travail, pour le capable de réaliser comme ça. Ça veut dire, mon an, si dame dans ce travail, il travaille dans le champ, donc pendant année ça, il n'y a pas dépensé une goutte pour lui. Alors, il n'y a pas dépensé un denier pour lui. Il a quitté tout ça que il a gagné pour année, ya, pour le capable de rendre à bon Dieu. Oh, pour ça que bon Dieu ça vole. Pour le capable de montrer Jésus que lui reconnaissant envers lui. En pile, mon a fait commerce avec l'évangile, Christ là, jodi a. Il a réglé les affaires. Des mouns qui gagnent comportement commerçant. Il a prié pour l'argent. Son yé te gon époque, gon jeune garçon qui toujours a le prier. Te gon femme qui toujours a prié pour yon bien-aimé. Et à chaque fois, elle vient prier pour bien-aimé, lui dit bien-aimé, eh bien, moi pas gen rien pour la caille. Donc, lui déplacé, lui vini chercher moyen dans même bien-aimé, mais cheval bataille lui, c'est la prière. On nous fait en pile attention pour nous pas réagir même gens avec moun sa yo. Mais que nous comprenons attitude ça, l'attitude mensongère de Judas. Jean chapitre 12 verset 4 à 6.
un des disciples, un de ses disciples, des disciples de Jésus, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Mais qui ça le dit? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? La parole de Dieu nous dit, Judas dit ça, c'est pas parce que li t'a remis bay l'argent pour pauvre. Texte ça lui dit non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Frère Maxime, en pile moun dans l'église sous bluff, fais attention. En pile moun sous bluff. Mais heureusement, Christ connaît ça. L'a déshabillé. Y a un pile moun nan an pile l'église. Viré tourner gon offrande. Et là, on demande qui sa offrande là a fait ou pas jamais moi qui ça le fait. Eh bien, gon jou ka privé, y a déshabillé moun sa yo quand même. C'est même gens avec bourrique là. Ou te mettre habillé en blanc, court mettre habillé. Eh bien, bon, le cap privé. Dès qu'on est midi, la prend ni pour lui capable de faire connaître ses bourriques liées. Frère Maxime, yo, bon Dieu désapprouvé toute attitude formaliste. Si on fait un bagage, c'est pour faire mon ouais. N'a pas dit au suspens fait. Mais fait tout son gué pour faire. Jean bon Dieu mando pour faire. Fais-le avec cœur. Ça va faire ou fais-le pour la gloire de Dieu. En dernier lieu, Jésus approuve ceux qui sont reconnaissants. Jean chapitre 12, verset 1 à 3 et verset 7. Matthieu chapitre 26, verset 10 et 11. Regardez qui ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 26. Jésus, dans verset 10 là, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Nous pas besoin de prendre pause, nous gagnons la peine pour femme, non. Regardez qui ça, Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Ça que vous faites pour bon Dieu, pour Jésus, eh bien, lui prend note de ça. Récit ça, lui présenté par trois évangélistes. Lui présenté par Matthieu, par Marc et par Jean. Deux premiers, Matthieu et Marc, ils présentaient une femme anonyme. Pour me capable, ouais, femme ça, de qui femme liée, m'a invité nous lire dans Jean chapitre 12. Verset 1 à 3. Pour nous identifier femme ça qui t'est présentée par Jésus, parfum de nard de grand prix ça, parfum de nard pur de grand prix. Jean, chapitre 12, verset 1 à 3. Texte ça permet que nous identifier femme là. 6 jours avant la Pâque, nous t'arrêmes pour souligner l'ambiboua. C'est pas sans raison, texte l'a dit 6 jours avant la Pâque. Cela veut dire qu'on événement qui va arriver. Eh bien, femme, non, déjà, bon Dieu, qui est en révélé, ça qui va arriver pour le capable de faire travail, ça. Et c'est ça, Jésus-Christ, qui va le dire, puis devant. Nous besoin de garder ça. Jésus, pardon, arriva à Béthanie. Où était Lazare? Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre de parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie
de l'odeur du parfum. Frère Maxime, l'identification des personnes qui étaient là pour le souper. Simon le lépreux, guéri par le ministère de Jésus. Marthe, Lazare et Marie, les trois amis de Jésus. Là, nous comprenons pour qui ça, malgré femme n'a pas de gain de grands moyens, lui organiser lui pour lui acheter ce parfum de nampir de grand prix et lui aller laver pied Jésus et non tête lui contrairement au récit rapporté dans Matthieu et dans Marc. Pour nous bien comprendre action Maria, faut que nous connaissions les mœurs de l'Orient. Lorsqu'on recevait un hôte de distinction, on lui offrait avant tout une huile odorifiante, odoriférante pour oindre sa tête et de l'eau tiède pour laver ses pieds couverts de poussière. Trois raisons expliquées, attitude comme ça. Première raison, c'est pour le capable adorer Jésus, apprécier Jésus à sa juste valeur. Jésus, ça, qui te baille la vie à frère Lazare, témoignage vivant de la puissance et de l'amour du Sauveur. Là, on vient comprendre pour qui ça? Eh bien, comme ça, t'as cherché occasion pour te honorer si là, qui t'es là pour lui, eh bien, nan yon moment pas bien moun qui t'es capable là pour lui. Même si Jésus pas honoré par disciples, mais Marie, la sœur de Lazare, connaît que Jésus, lui, il est le roi des rois. Si Jésus n'y pas rien pour tout le monde, mais pour Marie, lui c'est si là qui te moun qui te piché pour lui. Deuxième dit où ça frère Maxime, leur songer, ça Jésus fait pour vous. Pas gen bagay ko pa fè pou li. Gen kèk protestan, lè yo wè kwa kontribye pou le travay de Dieu, eh bien yo di, se an yo bagay pou fè. Mais c'est qu'on est ou pas qu'on est. Et moi, je dis ça toujours. Si Jésus n'est pas là pour moi, je ne vais pas être là pour me servir. Les gens qui contribuent pour le travail de Dieu, et bien, ils disent que c'est gagné. Et bien, moi-même, je voulais faire ou qu'on est ou même qui a servi mon Dieu. Ça, ou mettez à pas pour le travail de Dieu, pas garder aucun monde. Mais fait ça au senti bon Dieu mando pour faire bouler. Et dans l'histoire d'âme, ça, lui montrer que pas gagner rien qui trop pour capable bailler pour travail bon Dieu. Amen. Premier bagaille que dame n'a te voulu faire monde comprendre, eh bien, c'est apprécier Jésus à juste valeur, lui. Et bien, deuxième bagage, c'est pour le montrer comment lui comprendre la seigneurie de Jésus. Matthieu présentait Jésus comme étant le roi d'Israël, le serviteur de l'Éternel. Ça, c'est Marc qui présentait le comme ça. Tandis que Jean lui présentait le comme le fils de Dieu. Marc et Matthieu, ils ont utilisé le terme répandre sur la tête de Jésus. Cela veut dire laisser tomber. Matthieu 26, verset 6 et Marc chapitre 4, le verset 3. Il faut comprendre que le roi ici et le serviteur sont couronnés. Et Jean de son côté parlait de oindre. Cela veut dire procéder à l'onction. L'a exprimé l'idée que rien n'était trop précieux pour en faire don à Christ et qu'il est digne de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous sommes. Et femme non seulement lui présenter parfum, hein, lui laver pied Jésus,
Mais texte là allait plus loin pour dire li essuyer pied Jésus avec cheveux. Nous connaissons ça veut dire yon cheveux pour yon fille. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 verset 15, la chevelure de la femme constitue sa gloire. Et femme nan a occasion ça, li fait que déposer gloire li auprès du Seigneur. Quelle attitude d'humilité envers le maître. Les trois serviteurs de Dieu ont présenté le récit différemment parce qu'ils écrivaient tous pour trois groupes distincts, mais ils ont fait le même travail. Importance égale. Ces mêmes gens, dans l'église wesleyenne de Petit Gouave, nous gagnons quatre pasteurs, quatre serviteurs de Dieu. Et me garantis aussi, nous chaque gagne un texte n'a prêché la donne, nous chaque n'a prêché de manière différente. Donc, nous besoin comprendre que, dans yon ministère, chaque serviteur, yon complétait l'autre. Pas de question de yon plus grand que l'autre, mais tout simplement, yon complétait l'autre. Troisième raison qui fait femme agir comme ça, c'est pour annoncer la mort prochaine du roi des rois. Et c'est ça que je veux souligner dans le texte que je lis dans Jean, parce que Jean lui dit, dans le texte là, si vous regardez bien, lui parlait de 6 jours avant la résurrection, ou du moins 6 jours avant la crucifixion de Jésus-Christ. Car dans 6 jours, des mauvaises odeurs prennent paraître. Odeur de sang, odeur de crachat, odeur de sueur, odeur de vinaigre. Et c'est ça que fait Jésus dit, le comportement de cette femme fait toute la différence. M'a dit nous matin, pas chercher approbation de aucun monde. Pas chercher l'approbation du pasteur. Pas chercher l'approbation de madame. Pas chercher l'approbation du mari, pas chercher l'approbation du comité administratif de l'Église, mais chercher de préférence l'approbation de Dieu. Jésus t'a approuvé le comportement de cette femme. Frère Maxime, moi venu pour me dire au matin, Jésus pas fait exception de personne. Jésus prête pour le capable aider nous chaque dans quelque soit situation difficile que nous venons. Mais me venez tout pour me dire nous que Jésus lui désapprouvait tout le monde qui a une attitude ou du moins comportement formaliste qui a fait bagaille pour faire mon ouais. Si c'est comme ça qu'on te comprend ni, eh ben n'a exhorté au matin sorti dans formalisme. Même Jean, disciple Jésus, il a eu une attitude ça à un certain moment. Particulièrement Judas, il a eu une attitude ça. On nous sortit dans le formalisme, ou du moins, on nous sortit dans le formalisme et pour nous capables d'adopter le comportement que Jésus a approuvé. Donc Jésus lui a approuvé tout le monde qui reconnaissant. N'a invité nous matin. Pour nous capables des personnes reconnaissant envers amis nous, reconnaissant envers nos parents. Dans quelques jours, ça va être la fête des mères. M'a demandé à toute petite pour y reconnaissant envers maman yo. Si vous te compte faire maman fâché, prendre décision pour suspendre faire le fâché. Prendre décision pour faire le plaisir. Vous savez pas, jour fête des mères là pour avoir petit fleur ou dit maman là ou dit monsieur pour ton petit fleur pour l'ouvrir honorer. Prendre décision pour marcher avec bon Dieu. Prendre décision pour faire ça bon Dieu mande ou pour faire. Et m'a dit ou ça matin. Jésus remet tout le monde. Jésus pas fait exception de personne, quel que soit votre état, rang social ou famille qu'on sorti, couleur qu'on gagne,
niveau d'études qu'on fait, matin, bon Dieu voulait sauver ou, si jamais ou pourquoi accepter comme Seigneur. Yon n'a pas que m'ta remet que nous toutes nous réaliser. Rien de ce qui vient de nous valorise Dieu. Pas que rien que ou a fait valoriser bon Dieu. Mais tout ça qui sorti dans bon Dieu, li valorise nous. Disposer pour mon Dieu capable de faire de nous salver. De manière à ce que nous capables toujours reconnaissants. Reconnaissant envers chaque grand monde qui fait un bagaille pour nous. Si un monde fait un bagaille pour nous qui bien, même s'il fait 125 qui mal, pas jamais oublier ça le fait qui bien. Et automatiquement ou gagne attitude ça, ou pas gagner monde sous cœur. On nous sortit dans attitude formaliste là que mon Dieu désapprouvait hein, mais on nous fait tout ça qui meilleur, tout ça qui montrait que nous reconnaissons. Reconnaissant non seulement envers bon Dieu, mais reconnaissant envers tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu permette que nous passions un très bon dimanche en reconnaissant que bon Dieu lui fait nous grâce, lui permette que nous vivons encore et nous capables toujours prêts pour nous manifester reconnaissance nous envers tout le monde qui méritait d'être reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Moi saluer pasteur Desilu Jean-Baptiste et moi saluer très fort pasteur Divers Saint-Jean-Robert pour contribution nous pour nous être capable de faire de l'église wesleyenne de Petit Gouave saluer jodia. Que le Seigneur vous bénisse. Moi saluer également et dans l'occasion ça eh ben Frère Vallès, Frère Bigor, Frère et Nelson et Frère Nouyo qui honore Jodia. Que bon Dieu bénisse nous toutes, que bon Dieu bénisse l'Église la matin. Amen.